C'est la dernière saison, on le disait. Les raisons de cet arrêt qui a surpris tout le monde, là, on vient d'en parler un petit peu, on y reviendra plus tard. Mais est-ce que ça vous fait plaisir, Annie Dupéret, d'arrêter sur ce scénario-là? Parce qu'au moment où vous avez tourné, vous ne saviez pas encore que ce serait la dernière saison. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, vous arrêtez sur le meilleur? Je ne sais pas. Ce sera aux gens de le dire. Moi, mm-hmm. j'ai pas tellement d'opinion. Cette histoire de divorce, bon, me plaisait pas forcément épatamment bien. Mais comme on nous avait pas demandé notre avis avant, vu la rapidité avec laquelle s'écrivent les scripts, il fallait bien assumer ça. En essayant, comme d'habitude, d'arrondir un peu les angles, de réécrire un petit truc par-ci, un petit truc par-là, pour essayer de l'accommoder, à ne pas trahir ce qu'on avait fait jusqu'à présent. C'est ça qu'il faut pas. En fait, il faut pas trahir ce qu'on a amené comme ça depuis 25 ans aux gens, de chaleur humaine, de compréhension des autres. Il y avait toujours ça. On avait envie de sauver les autres. C'était toujours positif. Et donc là, sur cette saison, plus que les autres, vous n'avez pas eu tellement voix au chapitre sur l'écriture ? Ben non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il y avait des auteurs absolument en train d'écrire à toute vitesse parce qu'il fallait effectivement à partir de janvier fournir 6 bons scénarios jusqu'en mai. Donc c'est quand même terrible. Et quoi. Si vous aviez su que c'était la fin, c'est pas celle que vous auriez forcément choisie. Peut-être.